Savoir être patient et rester à l'affût, des qualités de boxeur qu'Hugo Legros a mises en pratique. 2 ans qu'il n'a pas disputé de combat d'importance, l'attente a été longue. Ouais, c'était un petit peu long, mais bon, c'était pour la bonne cause au final. Parce que j'ai pu progresser en m'entraînant plus, en me préparant plus. Donc ça va me servir. La défense. Ok, il ne faut pas laisser d'espoir à Montel. Au programme du jour, un travail sur la défense pour éviter les coups comme celui qui lui a fait perdre la ceinture de l'Union européenne il y a 2 ans en Italie. Mais depuis cette défaite, il a progressé. Hugo, il travaille énormément sur l'explosivité, la vitesse. Donc il a énormément de coups qui sont électriques maintenant. Il varie les zones, il varie les intensités de travail. Un coup c'est de la vitesse, un coup c'est en force. Et c'est quelque chose qu'il a beaucoup amélioré. Face à lui, Florian Montel, ce qu'il défiera chez lui au Cap d'Agde, un boxeur bien connu d'Hugo Legros. Les deux hommes s'apprécient, mais ils ne se feront pas de cadeaux. Je veux que tu sois un volcan au fur et à mesure des rounds. Entre la 8 et la 12, je veux voir entre la 8 et la 12. Je veux qu'il vive un enfer. Je veux que tu l'écœures, que lui, tellement ça rentre pas. D'accord? On repart là? Allez. Il est très copain avec Montel. Et c'est ça que j'apprécie aussi. C'est qu'en fait, ils s'apprécient tous les deux. Ils vont faire un gros combat. Moi, j'ai souvent eu des boxeurs qui ont boxé des gars et qui avaient beaucoup d'estime. Même des copains, on peut dire, et c'est souvent les meilleurs matchs. À 30 ans, Hugo Legros s'estime dans la meilleure forme de sa carrière. Depuis 2 ans, sa vie a pourtant changé. Plus de responsabilités dans son travail, il est désormais commercial. Et surtout, il est papa d'une petite fille. J'ai envie de moins prendre de coups, on va dire, et de travailler l'aspect défensif, parce qu'avant j'avais tendance à partir à la guerre bêtement et négliger la défense. Mais j'aimerais bien rentrer chez moi et que ma fille ne me voit pas avec les deux yeux fermés ou des ouvertures sur le visage. Donc c'est peut-être ça aussi. J'ai pas vraiment d'explication, je pense que c'est une maturité. Et pour souffler la première bougie de sa fille, plutôt que des bleus au visage, il préfère lui ramener l'or de la ceinture EBU Silver.